Wesh, on est reparti sur Dungeon Rushers pour l'épisode 4 du coup. Alors, il y a plein de trucs qui se sont débloqués là, je viens juste de voir, je viens juste d'arriver. Campagne, échoppe, atelier, chantier, arène, taverne, bam. Alors, déjà, atelier. Ah oui. Et ben on va fabriquer des trucs. Allez, hop. Ça nous fera. Quitte à ce qu'on puisse les revendre après, ça c'est quoi ça? On a des armures et tout, pas mal ça. Allez hop, on a plein de matos, on va profiter, enfin du coup plus beaucoup maintenant. Fabriquer, cordonnier. C'est quoi ça? Ils me disent pas de ce que c'est. Bon, alors, ce qu'on va faire. Déjà je vais voir ce que c'est les autres onglets. Ah oui, alors ça c'était pour le. Créer son donjon, on avait vu, et arène. Rechercher un match. Personne n'a tenté de vous piller. Bah, c'est bien. Chercher un match, qu'est-ce que ça fait? Vous devez créer un donjon avant de jouer en arène. D'accord, ok, bon, c'est des fonctionnalités en ligne. On va pas en faire plus. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Alors là, on est à l'épisode 4. Je pense qu'il n'y aura pas plus d'épisodes, 4, 5 maximum, je pense. Après, je ferai plus de sessions de jeux vidéo. Hein. Moi, je continuerai surtout de jouer un peu de temps en temps, mais je juge que ce n'est pas, comment dire, très utile de. Non, bah, j'ai rien à faire ici en fait. De vous montrer plus en vidéo, sauf si vraiment, voilà, vous me dites, ah, on veut voir la suite. Bon, ok, je veux bien. Si vraiment ça vous intéresse, moi, je juge que ce n'est pas intéressant d'en montrer plus en fait, tout simplement. Hop. Et du coup, ça c'est quoi ça? Un gris-gris du novice. D'accord. Bon, on va continuer la campagne, hein, du coup. Je sais plus trop où est-ce qu'on était. Ah oui, il y avait ça là. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que je finisse le manoir de l'ossuaire et que je fasse l'autre donjon aussi. Quoique, si je peux vous en montrer plus, bon, je vais voir. Je vais voir. Qu'est-ce que je voulais faire moi déjà? Ah oui, le gris-gris. Non, Septandros. C'est une arme. Ça m'intéresse pas, la plus 1, plus 5. Bon, en plus, ça fait pas des trucs. Gris-gris du novice, main gauche. Ouais. L'arc. Armure. Allez, on va mettre l'armure. Bam. J'équipe un peu mes persos. Hein. Ah oui, je lui avais déjà mis un truc là, bouclier en os, d'accord. Ça, faut que je le mette où là? Main gauche, mais. C'est quoi, c'est des accessoires? Non. Je sais pas où le mettre. Et sinon, lui, qu'est-ce qu'on pourrait lui équiper? Ouais, bon, j'ai pas trop d'idées. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le niveau 3, enfin l'étage 3 de ce donjon. Ah oui, non, il m'en reste 3 étages en fait. Bon, je vais pas tous les faire. Alors, je vais en faire un ici, puis autrement, je le ferai de mon côté. Ok, ben, on est reparti. Hop! Ok, ben, on n'a pas le choix de se prendre un premier combat. Ça me dérange pas. Ouais, on va les endormir parce qu'ils sont 3. Est-ce que je peux pas en. Hop! Alors, on peut faire tout sur une ligne déjà. Ah, intéressant ça. Il est doué, moi ça me fait toujours marrer. Avec sa petite note de musique là, mais il arrive à en buter des. Enfin, à faire beaucoup de dégâts à certains ennemis. Hein. Moi je dis chapeau l'artiste. Hein. Voilà, boum! Oh! Merde. Malédiction, brise bouclier. Bon bah je m'en serais bien passé honnêtement. Hein. Du coup je les prends combien de tours ça? Pendant 2 tours? 3 tours? Ça n'arrange pas mes affaires.
Tac. Et là d'ailleurs, Pod est un petit peu dans la merde. Il lui reste plus beaucoup de PV. Ouais, on va avoir par précaution une potion de magie, enfin de vie plutôt. Et merde. Bon, ça va, il est seul. Toc. Et merde, je le sentais venir ça en plus. Ouais, heureusement que j'ai encore de l'endurance là. Donc en fait non, j'avais tort, c'est-à-dire qu'on peut saboter les pièges même si on ne les aperçoit pas sur la map. Armure renforcée, ah bah tant mieux. Je pensais qu'il fallait qu'avec le pouvoir de Hélion, pouvoir d'Hélion, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pas de mana, pas de chocolat. Quoi? Ah, c'est un piège, ok. Déclenche un piège magique avec un solo de lutte. Ah bah ok, c'est comme un truc de sabotage, cool. Ouais, je pensais vraiment qu'il fallait que Elian dévoile les pièges pour pouvoir les saboter, mais non, visiblement. On peut s'en abstenir. Ah, franchement, ça me saoule qu'il leur reste toujours à chaque fois à moitié un PV là. Ah merde, les one shot quoi. Alors faut que je fasse des coups critiques, mais ça viendra avec le temps. Ah bah, par contre lui, il est très faible, hein. Très faible contre ces ennemis là. Et merde, encore une malédiction. Faiblesse, ça fait quoi ça? Moins 2 force, damn! Je vais faire encore moins de dégâts. Ah, j'ai trouvé le coffre. La salle du trésor, mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, si ça m'intéresse, mais je veux voir si je peux en trouver plus. Bam! Hop, une petite trombe. Ah, ça c'est bien. J'ai gagné un arc. En fait, un arc, c'est pas une arme secondaire, hein. C'est une arme. Enfin, j'ai l'impression que c'est une arme comme une autre qui se remplace. Et ben voilà. Donc du coup, là, on fait ce donjon-là, le suivant, là, la cavalerie débarque. Et ben, il me semble que dans ma vidéo découverte, je m'étais arrêté là. Du moins, dans ma partie précédente, je m'étais arrêté là. Trouver le trésor, 3 potions maximum, 3 capacités maximum, alors ça je sais toujours pas trop ce que c'est, on va dire. Aucun chaos. Ok. Ok. Et ben on va voir ça. Et alors, et ben on va descendre. Ah, il m'a baissé mon armure. Ouais. Je suis déçu, il n'y a pas encore eu de voix à doubler là depuis le début. Et merde. Waouh, un nécromancien chevalier, un chevaucheur d'os. Et B. Ouais, ils sont immunisés contre les attaques poses de poison là. Ah, donc lui il est faible hein. Bim. Et lui c'est quoi? On peut pas voir. Attendez. Immunité contre le silence et le saignement. Ok. Non, je regarde ce qui leur fait plus de dégâts. Ouais.
assez costaud mine de rien, enfin plus costaud que les autres ennemis que j'ai pu rencontrer. Ça ne m'empêchera pas de gagner. Ah puis lui il m'empoisonne lui. Waouh, foiré. Allez, boum. Je dois avoir des potions là, des trucs qui retirent tous les effets négatifs, on va utiliser ça. 33 XP, pas mal. C'était ça, je crois. Bière trou noir, supprime tous les effets négatifs. Voilà, parfait. Et du coup, il est bourré. Ah bah, c'est ça ou voilà. Faut voir. En même temps, c'est un homme. Et merde. Et merde. Bon bah voilà, vas-y, prends-toi le piège dans la gueule. Bénédiction furie. Ok, intéressant. Ça peut être utile. Ouais, par contre, je vais remettre de la vie un peu mes personnages parce qu'ils sont un peu faiblards là. Ouais, notamment eux deux. Tac. Et ici. Le saviez-vous? Le saviez-vous? La toge des mages squelettes étant faite de tissu poussiéreux, il est donc impossible de la briser. Fascinant, non? Non. Nope. Impossible de la briser, c'est-à-dire que ça sert à rien de refaire des trucs contre les armures ou autre. Ok, c'est cool. Cool ta life, man. Putain, il y en a qui sont brûlés, bourrés, empoisonnés, ils ont tous les statuts du monde. Ah, puis la régène, lui, là. Oh. Non, mais oh. Quoi, c'est pas efficace, ah oui. Si, si, si. Oh, le petit coup critique qui fait plaisir, là. C'est lui le plus dangereux, hein. Oh non! Parce qu'en plus ils peuvent régénérer leur... Waouh. Toi, t'es mort. T'étais déjà mort avant que t'arrives ici, vu que t'es un squelette. Ok, bah je donne pas... voilà, longue vie à Thorgrim. Merci d'être passé. Et toi, voilà. Oula, j'ai peur. Oula, j'ai peur. J'ai perdu Thorgrim, ça c'est pas cool. Alors déjà, on va faire ça. On va lui donner une potion. Voilà. Lui, on va lui faire picoler. Voilà. Et on va lui aussi lui donner une potion. Et voilà. Ouais, c'est bon. Du coup, oula, j'en profite pour utiliser ça. Ah, la caméra qui est complètement dans les choux. Ok. Et ça. Kezako. Surprise! Ah, pas une belle surprise du coup. Et merde, je m'en serais bien passé. Pas le poison, hein. Et merde. Tiens, prends ça. Et merde, il le régène. Faut attaquer coûte que coûte.
Oh là 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 là. Oh là là. Oh 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 oh. Putain, c'est Pod qui aurait gagné avec, avec son lutte, quoi. Qui l'aurait cru? Ah, surprise de merde. Je pense que ça va bien passer. Ouais, dites-moi que c'est la salle du trésor, là. Ce mur a l'air creux. Vous voulez parier qu'il existe un moyen de voir ce qu'il y a derrière? Quel mur? Oh! Oui, bah c'est bon, j'ai peur. J'ai peur de faire ce que je vais faire. Oh! Mais qui êtes-vous? Un technicien. Merde! Attends. On dirait un vieux geek là. C'est merde, je savais dire qu'on n'avait pas eu le temps de prendre un café. Purée, ils en ont un autre. Mais je pensais qu'il progresserait si vite. Mais de quoi vous parlez? On est l'équipe technique, on est chargé de devancer votre progression pour allumer les torches. Excellent. C'est vrai que toutes les salles qu'on a pu traverser étaient éclairées, mais je n'imaginais pas qu'il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de ça. Que crois-tu? Que crois-tu? C'était un travail à plein temps. Nous, les donjons, on, tous les donjons ont une équipe technique qui doit s'occuper de l'entretien des lumières. C'est un boulot ingrat. C'était ça, cette voix? Tous les aventuriers profitent de notre travail, mais aucun ne le remarque. Bah, c'est l'apanage des héros. D'ailleurs, on doit se remettre au travail. Pas de repos pour les braves. Oui, c'est vrai que tous les geeks parlent comme ça. Merci. Vous faites du bon boulot. Et merde. Quoique je peux abandonner les combats. Alors, attendez. C'est vrai, ça. Je peux fuir comme dans Pokémon. J'abandonne. Drapeau blanc, drapeau blanc. Voilà. Ah, c'est... Ah merde, non, je veux pas sortir du donjon, loul. Ah merde, je pensais que c'était juste abandonner le combat. Merde, bon. C'est pas grave, on va y retourner. Et puis du coup, j'ai tout perdu. Hein. Zut de zut. Alors. On va lui acheter du stuff, là, la vieille sorcière. Un petit tour dans l'atelier également. Si je peux crafter 2-3 trucs... Demande des armures, ça peut être intéressant. Oui, fabriquer. Ok. Du coup, on va essayer, hein, c'est pas grave. Alors. Lui, on va lui mettre le casque. Boum. Ah non, merde, j'avais fait 2 casques. Bon, c'est pas grave. On va le mettre à Pod. Amulette de mana. Ça pourrait lui être utile. Toc. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Un gris-gris. Mais ça, où est-ce que je le mets, ça? Non. Ceinture. Sceptre en os. Ça, c'est un peu mauvais, par contre. On sait pas où est-ce qu'il faut mettre les objets. Bon. Allez, on y retourne. Du coup, est-ce que le donjon est le même? Je pense pas qu'il ait dû changer. Bon, on va vite s'en apercevoir. Ouais, c'est plutôt le même. Du coup, bah, on va essayer de... Pas de rusher, mais du moins... Bah, d'aller... par là où on s'était dirigé tout à l'heure. Enfin, juste avant. Histoire de gagner un peu de temps et surtout de pas se faire buter. LOL. Et bientôt niveau 3 là, pour la plupart. Savez-vous? Ok, on était rendu à peu près ici, voilà. Oh! Ok, cool. Ok, donc bon, le combat, il était inévitable. Ah, ils sont 4! Ouais, j'aurais eu aucune chance. Hein. C'est le boss final, enfin... Je suppose que le coffre est juste derrière. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oula, j'aime pas ça.
Allez hop. Un de moins. Ouch. Et merde. Ouais, attaque les deux toi. C'est toujours ça de prix. Allez hop, lui en moins. Ça va être ric-rac. Ah purée, il lui rajoute de la vie. Allez toi tu meurs, voilà. Parfait. Et ça, ça lui fera pas mal de dégâts. Allez, si on peut l'assommer, ce serait pas mal. Allez, c'est bon. Ouh. Du coup, lui, il monte pas de niveau alors qu'il aurait même peut-être pu le faire s'il ne serait pas. S'il n'aurait pas été ni KO. Voilà. Oui, je veux sortir. Est-ce que j'ai la triforce du courage? Ah, j'ai pas la triforce du courage. Bah oui, 3, 4, aucun KO, bah oui. Merde. Merde, honnêtement, merde.